pour un haul Magic Depot et Action. Donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. La luminosité est au beau fixe puisqu'il fait grand soleil, très froid. Mais grand soleil, donc ça fait plaisir. Normalement on est là à l'heure où je vous filme, on est mercredi, donc vous aurez cette vidéo mardi prochain. Et eh bien écoutez, il fait grand soleil et normalement ça doit durer au moins jusque lundi prochain, donc ça c'est trop cool. Même s'il fait froid, je préfère le froid comme ça plutôt que le froid ensoleillé, plutôt que le froid pluvieux qui est désagréable dans le nord. Bref, oui, j'ai mis mon pull soleil aujourd'hui, il fait soleil donc j'ai mis mon pull soleil. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va y aller tout de suite maintenant parce qu'on va pas faire de blabla comme ça longtemps. Pour le haul Magic Depot et Action, donc Magic Depot, j'y suis allée à Abbeville pour celles qui connaissent. Donc le Magic Depot est à côté du Action. Et c'est vrai que je vous avais, vous verrez dans le vlog de demain, je vous avais dit que j'allais chez Action pour trouver des petites grignotages, pour le café du soir, parce que la boîte se vide à vitesse grand V. Et du coup je me suis dit, bah tiens, Magic Depot je connais pas vraiment, je crois qu'on y est allé une fois avec chérie mais je suis pas certaine. Et du coup bah, je me suis dit peut-être que je vais trouver des petites choses, et en effet j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par Action et on finira par Magic Depot. Alors, comme d'habitude j'ai les tickets de caisse, donc comme d'habitude je vous mettrai les prix dans la vidéo, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour vous. Alors attendez, hop, je vais sortir mon ticket de caisse. Donc chez Action j'en ai eu pour 35,67€, mais dans les 35€ il y a le cadeau de Saint-Valentin de mon chéri, je pense que ça va lui plaire, je vous montre ça tout de suite. Allez, je vais trouver ceci. Alors c'était dans les promos à l'entrée. En fait c'est un mini coffre-fort, un coffre-fort électronique numérique. Donc vous avez à première vue, d'après ce que j'ai pu voir, vous avez, ouais c'est marqué là, donc vous avez le coffre-fort, vous avez une clé, vous avez les chevilles, les vis, et vous avez un livret à l'intérieur. Donc c'est un petit coffre-fort en fait, comme ça, et vous pouvez mettre dedans parce que vous avez envie d'y mettre. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. À première vue vous pouvez le faire à la clé ou avec code. Et ben voilà, je me suis dit que c'était 14,95€ je crois, ça de mémoire. Et je me suis dit que c'était pas mal pour ranger des petites choses importantes, comme quand on s'en va en vacances ou des choses comme ça, mettre les doubles des clés de voiture, mettre de l'argent liquide si vous avez de l'argent liquide qui traîne à la maison. Nous je sais qu'on en a de temps en temps un peu dans un tiroir, donc ça peut être pas mal de mettre ça là-dedans quand on s'en va et de l'avoir. Donc vous pouvez soit le laisser comme ça dans un dressing, voilà tout simplement, ou alors l'accrocher au mur ou au sol, ils disent. Donc voilà, je pense que ça va lui plaire, c'est un petit gadget. Mais en fait vous savez, nous on est à la Saint-Valentin, on s'offre pas des gros cadeaux, tout simplement parce que on s'est rencontrés le 21 février, donc on préfère privilégier l'anniversaire de notre rencontre plutôt que la Saint-Valentin. Mais on se fait toujours un petit cadeau, souvent il m'achète des fleurs ou des choses comme ça, je lui achète une petite bricole, enfin c'est juste pour marquer le coup. Donc voilà pour ça. Ensuite il m'avait demandé, pour tout vous dire, il me l'avait déjà demandé la dernière fois que je suis allée chez Action, vidéo que vous avez vu mardi dernier, mais j'avais un peu zappé. Il m'avait demandé ça, une raclette, parce que nous dans l'entrée, si vous voulez, on a, je vous raconte ma vie en même temps, c'est pas grave, on a un carrelage et il pleut dessus, et quand il pleut l'évacuation se fait mal. Donc il voulait une raclette neuve parce que la sienne elle est complètement, enfin celle qu'on utilise pour l'entrée, il y a quasiment plus de ça quoi. Donc voilà, je lui ai repris une raclette comme ceci, toute simple, toute bête, il y avait que celle-ci chez Action de toute façon. Mais bon, on n'a pas besoin d'un truc hyper perfectionné pour faire ce que c'est faire. Et je lui ai pris également le manche en bois pour aller avec. Donc voilà, il y avait des manches en plastique mais il y avait des trucs pour visser au bout. Et c'est pas vraiment le même système en fait, si vous voulez. Là vous avez vraiment un truc où on... Je fais attention parce qu'il y a la télé, je vais pas shooter la télé. On rentre dedans, vous devez dévisser, vous passez le manche et voilà. Donc il sera content, je lui ai ramené son... Hop là, je suis sortie du cadre, son balai, il va être content. Après, niveau maison, j'ai pris ceci parce que vous êtes plusieurs à les avoir cités dans vos vidéos Action et dire que c'est plutôt pas mal. Donc c'est du Super White et Oxy. En fait, c'est un sachet à l'intérieur. Alors je sais pas s'il y en a un ou deux, non il y en a cinq exactement. Et en fait vous allez venir mettre ça dans votre machine à laver, et c'est pour raviver l'éclat du blanc. Donc ils disent que le sachet contient un système blancheur ultra efficace qui reblanchit les blancs et neutralise la grisaille. Au cours du lavage le sachet bleu devient blanc. Vos blancs retrouvent ainsi leur éclat d'origine. Bah écoutez, attendez, je vais ouvrir et je vais regarder comment c'est à l'intérieur. Et comme moi j'ai des culottes blanches et des choses comme ça qui ont un peu terni avec le temps, et puis j'ai des pulls blancs que j'ai envie de garder blancs, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ça. Ouais, donc c'est des petits sachets comme ça, il est bleu, il devient blanc dans la machine.
Écoutez, je testerai ça. Suivez-moi dans les vlogs. Je vais tester, pas cette semaine, je pense pas, parce que j'ai pas de lessive blanche à faire. Peut-être la semaine prochaine. Et on verra bien ce que ça vaut. Mais ça vaut pas très très cher. Et si ça marche, franchement, tout le monde dit que ça marche. Donc ça doit marcher, je pense. Ensuite, j'ai pris des lingettes des Colorstop format XXL parce que j'en avais plus. 50% plus grande pour les lavages de 6 à 10 kg. Ouais, bon, écoutez, pourquoi pas. Action complète. Oui, donc c'est si vous avez des grosses machines à laver en fait. Moi c'est une machine normale mais bon c'est pas grave. Vous avez 28 lingettes à l'intérieur. Et en fait j'ai trouvé que les lingettes des Colorstop comme ça étaient moins chères que les lingettes de la marque Action. Donc pour la même chose je me suis dit qu'il y en avait 25 dans la marque Action. Et je crois que c'était ça c'était 3,29. Et celle d'Action devait être à 3,69 pour 25 lingettes. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et en plus celles-ci elles ont un truc pour raviver les couleurs. Donc voilà, ça j'utilise ça quasiment à chaque machine parce que j'ai trop peur des décolorations et des choses comme ça. Ensuite, niveau maison également, j'ai craqué sur cette bougie que j'ai trouvée magnifique. Alors je sais pas si je l'allumerai ou pas, mais en attendant, je l'ai trouvée trop belle. Donc c'est une bougie comme ça avec un couvercle en bois. La marque c'est Triwick Wooden Wick Burned 50 heures. Donc c'est une bougie qui doit brûler 50 heures avec une mèche en bois. C'est la senteur Soft Vanilla. Et moi l'odeur de vanille j'adore. Donc vous voyez c'est une mèche un peu longue comme ça en bois. Donc souvent les mèches en bois crépitent un petit peu. Donc écoutez on verra ça. Mais j'ai trouvé le pot très joli un petit peu ovale comme ça. Et je crois qu'elle existait aussi en spicy de un peu épicé ou des choses comme ça. Mais moi je suis pas trop odeur d'épices. Donc voilà, après vous pouvez très bien vous resservir du pot parce que le couvercle en bois je le trouve joli pour mettre des cotons ou des choses comme ça dans la salle de bain. Donc on verra si elle est bien ou si elle est pas bien. J'ai repris des Happy Hippo comme ceci de chez Kinder. J'en ai pris deux boîtes parce que j'adore cette petite connerie. Voilà. Bref. J'ai pris pour Chouchou parce que c'est un grand fanat de chips, mon mari. Et voilà. Grand fanat de chips, donc il aime tester les petites choses. Alors là, c'est de la marque Lay's et c'est des sticks. Donc à première vue, ce sont des chips qu'ils ont coupé en lamelles. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc voilà, il y avait goût paprika ou goût salé normal. On est plus goût salé normal, donc je lui ai pris un salé normal. On verra bien ce qu'il en dit, si c'est bien ou pas. À voir. Hop. Il reste trois trucs dans le sac Action. J'ai trouvé, Aurélie, si tu passes par là, j'ai trouvé des cappuccino crush. Donc c'est des sweet snack mix avec du chocolat belge. Donc c'est des, c'est quoi alors? Ça se présente comme ça, je ne voulais pas montrer. Voilà. C'est des mélanges de boutons. De chocolat au lait, raisin sec chocolaté et boulettes de cappuccino chocolaté. Mais écoutez, ça m'a l'air très bon cette histoire. Ouais, je crois que ça va être bon ça. À voir. Et j'ai trouvé celui-ci aussi. C'est la marque Choco Moment. C'est la même marque que l'autre. C'est des. À première vue, ce sont des bouchées, des clusters de chocolat blanc et de goût cheesecake framboise. On goûte. On va goûter. Attendez. On va ouvrir ça délicatement. Il y a Birdie qui arrive forcément. On va en sortir un. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Ah ouais. C'est pas pour toi. Maman donnera une galette après. Alors c'est super bon. Vous avez de l'espèce de, je sais pas si vous allez voir, de riz soufflé à l'intérieur, des fruits un petit peu confits, et ça a vraiment goût chocolat blanc cheesecake. Sincèrement, ça a vraiment vraiment un goût de cheesecake. Je vais le finir et je vous retrouve tout de suite. Et j'étais intéressée aussi par goûter les petites boules cappuccino. Ah, tu baves, Nénette. Maman va aller chercher une galette après. Donc, c'est des petites boules. Comme ça, là. Ah oui. C'est trop bon. Ouais. C'est trop bon. C'est un bon petit goût de cappuccino. Franchement. Au top, ça au top et l'autre au top, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Je vais lui chercher une galette parce qu'elle est en train de décéder là. Petite galette. Tu as cherché? Allez, tiens. Tiens. Hop. Et voilà, elle a eu sa galette aussi. Et pour finir avec Action, j'ai pris ceci. Donc ce sont des masques chirurgicaux. Décoré, donc j'ai pris là, j'ai pris léopard. Il y avait des fleurs un petit peu violettes et il y avait des herbes vertes. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Il y en a 5 dans le paquet. Je vais ouvrir, on va regarder s'ils sont bien ou pas. En fait, j'utilise très peu de masques chirurgicaux, mais il y a des magasins qui enfin par chez moi, il y a des magasins qui dans lesquels on peut plus mettre de masque en tissu. Ça devient une catastrophe. Enfin bref. Ce que le gouvernement fait en ce moment, je ne comprends pas, j'arrive pas à saisir en fait. On nous a ravaché le truc comme quoi il fallait mettre un masque, que ce soit en tissu ou pas, et maintenant on nous dit qu'il faut pas mettre de masque en tissu. Donc toutes les petites nénettes qui ont fait des masques pour les hôpitaux et tout ça, hein, limite on les envoie bouler. Bref, donc ce sont des masques comme ça, on a un petit truc pour resserrer le nez, et vous pouvez l'ouvrir. Bah écoutez, c'est mignon, ils sentent pas dégueulasse, ça s'enfile bien. Les trucs font pas mal aux oreilles, bon, écoutez. Hein. Écoutez, masques chirurgicaux, hein. Voilà, voilà. Donc voilà pour Action. On va passer maintenant à Magic Depot. Alors je vais vous montrer parce que j'ai le sac, des fois que la marque vous dise quelque chose. Et c'est hyper lourd. C'est ça Magic Depot en fait. Oh, voilà. C'est ça Magic Depot. Donc ils font... de la déco, de la nourriture, de la lessive, du truc pour la maison. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Ça me fait un peu penser à un Stokomanie, à part qu'il n'y a pas de fringues ni de chaussures et tout ça. Mais c'est un peu dans le même esprit, un petit peu de fringues, mais vraiment pas grand chose. Mais ça me fait un peu penser à l'esprit, un petit peu Stokomanie, mais en plus... comment vous dire? En plus déstockage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pareil, je dois avoir mon ticket de caisse quelque part, je vous mettrai les prix dans la vidéo. Donc j'ai pris ceci, une lessive Le Châle Expert souple, souffle de fraîcheur. Alors j'espère que ça sent bon parce que sentir en magasin avec le masque c'est un peu compliqué. Ça sent très bon. En fait en ce moment j'utilise, je crois que c'est la Birdie, non, pas la bouteille. La Ariel avec un souffle de fébraise dedans et j'aime pas son odeur du tout. Par contre celle-ci je pense que ce sera top. Alors j'ai fait le plein de lessives parce qu'il y avait pas mal de lessives et franchement les prix des lessives, je me suis dit c'est hyper intéressant. Vous le verrez dans la vidéo mais pour moi c'est hyper intéressant. J'ai pris celle-ci, la Mire Ravi Répare noire et fibre. Donc c'est une lessive spéciale pour les pantalons ou les fringues noires qui redonne un petit peu d'éclat et tout ça. Donc moi je porte beaucoup noir, hein, vous le savez. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal et c'était pas cher non plus ça. Elles sont bonnes, donc pourquoi pas. Bah écoutez, à tester, voir ce que ça donne. Et normalement, il y en a une troisième. Logiquement, ouais, elle est là. La même chose pour le blanc. Donc voilà, Mir White, Raviver Plus, blanc et fibre. Celle-ci, je la connais parce que je l'utilise déjà et elle est vraiment bien. Donc voilà, celle-ci, normalement, si c'est celle que je... ouais, c'est celle-là. Elle sent vraiment divine. Celle-ci, elle sent vraiment, vraiment bon. Ça sent le bébé, ça sent trop bon. Donc écoutez, voilà, je suis remontée en lessive. J'ai ce qu'il faut. Et au moins, je suis tranquille pour un petit moment. Pour tout ce qui est noir et couleur, après... noir et blanc après la couleur, c'est vrai que ça part très vite la lessive. Donc voilà, hier soir, chérie a cassé un plateau. Et j'y allais dans l'optique de retrouver un plateau. J'ai trouvé un plateau beaucoup plus grand que ce que je cherchais à la base. Puisqu'à la base j'en voulais un qui fasse la moitié de ça quand même. Hélène, t'as vu un peu grand là. Bon c'est pas grave, ça servira quand même. Et celui-là j'ai trouvé joli. Donc c'est un plateau qui fait 45/30. Et il est comme ça. Donc c'est indiqué, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà, il est joli, c'est du mélanine. C'est ça je crois hein. C'est pas marqué. Je crois qu'on dit que c'est de la mélanine, il me semble. Ben voilà, c'est. Il est grand, hein. Il est grand, mais il est bien. Franchement, voilà. Il servira à un moment ou à un autre, c'est sûr. Je vais le mettre là-bas. Hop, parce que voilà. Voilà, voilà. Ensuite, niveau maison, j'ai pris ceci. Donc, c'est une lampe de la marque Atmosfera. Pareil, elle était pas très très chère. C'est une lampe à. Je vais y arriver, hein. À pile. Et je l'ai trouvé très 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 jolie. Ils appellent ça les lampes LED. Donc je vais la sortir pour vous montrer. J'ai même pas regardé. Tout va bien, tout va bien. Ma mère m'appelait Manbeur quand j'étais petite parce que je ne tiens rien dans mes mains en fait. Donc elle m'appelait Manbeur.
que dans les... Si vous avez du beurre sur les mains, vous savez que... Elle va finir mal, cette lampe. Vous savez que ça glisse. Donc, vous avez une base comme ça, avec un petit endroit pour mettre des piles. Et un bouton on-off, tout simplement. Voilà. Il y a un bouton on-off ici. Et vous venez tout simplement mettre le petit... Voilà, et ça donne ça. Voilà, elle est vraiment très 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 jolie, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ces styles d'ampoules là, vous voyez. Les ampoules un peu LED comme ça, un style ancien, j'aime beaucoup. Donc celle-ci va trouver sa... Oups, désolée pour le bruit. Celle-ci va trouver sa place dans la maison. Je ne sais pas encore où, mais je crois que je vais la mettre là-haut, sur mon étagère au-dessus de la télé, parce que j'aime bien. Ou alors je la laisserai sur le bureau. Je ne sais pas encore, je vais voir, mais je vais lui trouver sa place dans la maison, c'est sûr. Et je crois que peut-être sur le bureau. Je crois que le bureau va peut-être pas rester longtemps, mais on verra bien. Ensuite, j'ai trouvé quelques petites gourmandises. J'ai pris des pralines, donc c'est des chocolats belges également, de la marque Maître Truffou. Donc c'est des petites boules en fait, comme ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vais pas goûter là, hein, je vous en dirai de ce que c'est bon. Je viens de manger donc on va arrêter un peu. Mais ouais, je vous en dirai des nouvelles dans les vlogs. N'hésitez pas à me suivre dans les vlogs. Ensuite, j'ai pris de la marque Cerebis des carrés aux amandes. Bon, ça c'est connu, hein, mais voilà. Moi j'aime bien de temps en temps au café ou au goûter. C'est sympa. Pour Chérie, la dernière fois chez nous, j'avais trouvé des princes. Vanille enrobée de chocolat, mais je n'en trouve nulle part. Dans les supermarchés, j'ai regardé, il n'y en a pas. Et chez Noz, il n'y en a plus. Donc là, j'ai vu des princes Vanilla Cream Test. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. En plus, c'est des paquets individuels. Donc ça, c'est cool parce que nous, comme on met dans la boîte à gâteau, ça permet d'enlever ça et de mettre que les petits paquets. Donc ça a l'air d'être des princes au chocolat avec une crème vanille à l'intérieur. On verra bien ce que ça vaut. J'ai pris également une bouteille de vinaigre de cidre parce que j'en avais pas et c'est très bon le vinaigre de cidre dans les salades et tout ça, mais il m'en faut de temps en temps dans les recettes Hello Fresh, et je crois qu'elle était à 1 €. Je crois que c'est ça, hein. 90 centimes la grosse bouteille de vinaigre de cidre, donc franchement prix défiant toute concurrence. Vous allez voir les prix de ça, franchement, je vais le mettre là pour pas le perdre, ça défie toute concurrence. Ensuite, j'ai pris des noix de cajou au sel de Guérande, comme ça, parce que ça c'est toujours mangé à l'apéro chez nous, on aime bien, et noix de cajou en supermarché, ça vaut la peau des... Voilà. J'ai pris également des compotes, des berlingots de compote 12 pommes nature de chez Saint-Mamé, comme ça. Voilà, ça peut être sympa ça pour un petit goûter, pour des choses comme ça. Alors est-ce que ça s'ouvre? Non, ça s'ouvre pas, il n'y a pas d'ouverture facile. Et même par moment, les ouvertures faciles sont plus compliquées que les autres. Je veux juste voir à quoi ça ressemble en fait. Hop. Bon, bref, je n'en tire rien. Oui, donc là c'est pas, ça peut être pas mal ça pour les enfants emmener en goûter. Voilà, c'est un petit berlingot de compote comme ça. Le berlingot fait combien de grammes? 100 grammes, compote allégée en sucre. Berlingot se recycle, pensez à les trier, vous avez la petite paille qui va avec. C'est bon jusqu'au 12-2021, donc écoutez, ça peut être pas mal. Et en parlant de berlingots comme ça, vous vous souvenez des berlingots? Je sais plus quelle marque c'était, je crois que c'était la marque de Lait Concentré qui faisait ça. Avec des goûts. C'était trop trop bon. Souvent il y avait tic et tac dessus, je crois. Qu'est-ce que j'ai pu en manger de ces choses-là? C'était trop trop bon. Bon, hyper calorique et tout, hein, mais vraiment super super bon. Ensuite, ah, canard WC. Donc j'ai voulu tester celui-ci, je le connais pas. Puis en plus le mien était fini, donc ça tombe bien. Tue 99,9% des bactéries. Vous avez le bec canard. C'est le canard extra power gel javel moussant. Mousse active plus javel désinfectante fraîcheur marine. Donc écoutez, on verra bien ce que ça vaut, mais ce qui m'a intrigué c'est le moussant. Peut-être que ça détartre mieux que les autres, donc on va essayer ça. Je me suis trouvé ça, regardez-moi comment il est trop chou. Je l'ai abîmé? Non, c'est un scotch. C'est un petit cactus comme ça, en quoi, en... Je sais pas trop, enfin ça a l'air de casser, donc je vais y faire attention, hein. Avec les mains que j'ai, il faut faire très attention. Et en fait, vous avez, c'est la marque Atmosfera aussi, je crois, de mémoire, c'était sur un truc Atmosfera. Et en dessous, vous avez, attendez, j'enlève le scotch.
En dessous, vous avez open. Ah bah oui, ça y est. Vous avez un petit truc marche arrêt et c'est un petit cactus lumineux comme ça. C'est trop mignon. Je vais le mettre avec, vous savez, sur mon meuble de l'entrée avec tous les cactus. Je vais le mettre dessus. Il y avait 3 ou 4 sortes différentes, mais c'est celui-ci qui m'a interpellée. Et je crois que c'était 60 centimes, quoi. Enfin, voilà. Comment acheter des conneries? Bref. J'ai pris ceci parce que ma maman l'adore. Je vais essayer, si j'aime pas, je lui donnerai. C'est de la marque Le Petit Marseillais. C'est le spray hydratant Nutrition Express, peau très sèche, à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger, non gras, non collant, confort 24 heures. En ce moment, c'est une horreur. J'ai la peau d'une sécheresse, les gars, mais un truc de fou. Donc attendez, je vais essayer. Oui, donc en fait, c'est un spray. Ça vous laisse la mousse. Hop, on va le mettre là. Ça vous laisse la mousse. Oh, l'odeur est divine. L'odeur est divine. Et c'est vrai que c'est pas... c'est pas très... Enfin, on sent que c'est hydratant, hein. Mais c'est pas collant. Donc, je ne connaissais pas ça. On va tester. On verra bien. Je le testerai dès ce soir. Ensuite, j'ai trouvé ça. J'ai jamais vu ça en magasin. C'est de la marque Petit Navire. C'est un émietté de colin. Alors souvent c'est des boîtes de thon, mais là c'est un émietté de colin au basilic. Donc je me suis dit que pour mettre dans une petite salade du midi ou voilà pour manger comme ça avec ouais, pour le midi en grande salade, ça pouvait être pas mal. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas. J'ai toujours vu du thon, du saumon en boîte comme ça, mais du colin j'en ai jamais vu. Donc à tester, je vous dirai si c'était bon ou pas. Ensuite il y avait des promos sur les boîtes de petites, des boîtes de conserve comme ça en. En mini boîte en fait. Là c'est un wok de légumes Madras, comme ceci. Hop. J'essaie d'attirer le focus. Voilà, wok, non du tout. Attendez, attendez. Je vais poser celui-là. Hop, voilà, un wok de légumes Madras comme ça. Donc à l'intérieur, vous avez des carottes, des haricots verts, des poivrons rouges, des oignons, des pousses de bambou, des champignons noirs, des pois chiches. Après il y a de l'huile de tournesol, de la crème de coco, de l'ail, de la coriandre, du cumin, du gingembre, du curcuma, du piment vert et de la cannelle. Donc écoutez, on testera, on verra bien ce que ça vaut. Les deux petites boîtes, je crois que c'était 1€. Donc je me suis dit que c'était bien pour quand on ne sait pas quoi faire à manger, ça peut dépanner. Ou pour moi à midi surtout, parce que ça je crois que chérie il mangera pas. Ou quand maman vient manger à la maison aussi, le midi ça peut être sympa. Et j'ai pris aussi deux boîtes comme ça d'aussi d'haricots verts cuisinés à la provençale, ça c'est pareil, c'est pour moi le midi. C'est des boîtes de conserve. J'ai pas regardé les dates par contre. 12/2021 pour ça. Et celle-ci, 6/2021. Donc ça, faut que je fasse attention parce que c'est pour juin. Mais ça, c'est pour un moment quoi. Donc dedans, vous avez des haricots verts. Haricots verts, poivrons rouges, huile d'olive, oignons en poudre et poudre poivre blanc. Sel, ail en poudre. Voilà. Donc à voir, mais moi j'aime bien les haricots verts à la provençale, donc normalement ça devrait le faire. Et pour finir, j'ai pris des petites cacahuètes comme ça en boîte. Donc à première vue, c'est des cacahuètes piquantes. C'était marqué cacahuètes piquantes, et là je vois Erdüns Piquant Gewürz. Ça doit être de l'allemand ça. Regardez. Voilà. Donc on verra bien ce que ça vaut. Pareil, je vous en dirai des nouvelles dans les vlogs si ça vous intéresse ou pas. Ouais, en attendant, voilà, mon sac est vide. Donc voilà un petit peu ce que j'ai trouvé chez Action et chez Magic Depot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez Magic Depot, si vous en avez dans votre région ou pas. J'essaierai de trouver un lien et de vous mettre un lien d'un site où je ne sais pas si ça existe en barre d'infos qui vous montre un petit peu les magasins qu'il peut y avoir en France. Peut-être que vous en avez près de vous et que vous ne savez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.